remonter un petit peu dans l'histoire de ce club. Au départ, c'est pas un club de foot, c'est une association d'entraide. Tout cela se fait grâce à vous, chers partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes plus acteurs que spectateurs. Vous nous permettez de faire rayonner ces jeunes, et à ce titre, je vous remercie. Alors souvent, on nous dit, mais pourquoi vous faites tout ça? Vous n'êtes pas un centre social. Ça sert à quoi de faire 60 actions sociales par an? 60, c'était l'année dernière. Cette année, on en vise 100. Et ça, je pense que ça constitue aujourd'hui l'âme de ce club, en tout cas le fil rouge qui fait que la génération, les générations de dirigeants qui se sont succédés ont toujours eu la notion de solidarité. On est là pour, évidemment, utiliser ou parler du football, mais du football au service d'un certain nombre de valeurs. Ces relations avec la Duchère, c'est parce que c'était pour nous, au travers de ce que vous réalisez, vraiment la garantie que les valeurs qui sont nécessaires pour mettre en valeur le football et pour lui donner cette cohérence, eh bien il y avait là la crédibilité qui permettait de nouer des liens. Des liens, bien sûr, sur le plan de la formation, sur le plan sportif, mais qui étaient fondés sur des réalités qui sont des réalités du long terme et des réalités de la société d'aujourd'hui. Les raisons de cet engagement pourraient se résumer par cette formule. Accomplir une ambition sportive au service d'un projet social. Le club de la Duche mérite et nécessite un engagement à long terme. Je profite de cette prise de parole pour réaffirmer l'engagement de Sixième Sens sur le long terme. Donc voilà, donc notre engagement est total et puis c'est d'une cohérence absolument incroyable parce que c'est vrai que la Duchère est le deuxième club de Lyon. Pourquoi pas être à côté de l'Olympique Lyonnais de manière tout à fait permanente, et on essaiera au gré de ce qui a été fait sur le plan des valeurs de l'amplifier pour faire en sorte aussi d'apporter sur le plan sportif bien tous les éléments qui permettraient à l'Olympique Lyonnais mais aussi à la Duchère d'avoir une collaboration encore plus fournie sur le plan sportif. Donc aujourd'hui, nous, on est un collectif de gens qui sont fortement engagés, qui sont des connaisseurs, des experts sur leur sujet, qui ont décidé de venir s'investir, de donner du temps et de faire émerger des projets qui ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils sont durables. On est à l'initiative d'un certain nombre de projets qui auront un écho national. On ne le fait pas pour ça, mais en tout cas, on se battra pour ça.